Les résultats 2017-2018 de Meusin Invest sont encore cette année historiques. Le conseil d'administration de Meusin Invest a décidé pour plus de 100 millions d'investissements dans l'économie liégeoise. Ça n'avait jamais atteint cette barre des 100 millions. Sur les 5 dernières années, Meusin Invest a investi 420 millions dans l'économie, ça fait plus ou moins 84 millions par an. Le portefeuille de Meusin Invest grandit puisque les entrées dans le portefeuille sont plus importantes que les sorties. Et aujourd'hui, le portefeuille de Meusin Invest atteint 450 sociétés, ce qui est quand même vraiment très très significatif dans l'économie liégeoise. Cette année, nous avons fait un résultat opérationnel d'1 350 000 euros. Ça fait aussi 5 ans que nous dépassons le million d'euros de résultats d'exploitation. Mais en plus, cette année, le résultat exceptionnel est aussi fort positif, de l'ordre de 3 millions, c'est-à-dire que le résultat net de Meusin Invest devrait, je dis devrait puisque l'Assemblée générale d'approbation des comptes est en novembre, mais avoisiner les 4 à 5 millions d'euros. Que fait-on de cette profitabilité de Meusin Invest? Ben, le conseil d'administration a décidé que nous allions les réinvestir dans des écosystèmes en mettant des moyens, du support au développement de secteurs prioritaires. Ces secteurs prioritaires sont au nombre de 5. Il y a évidemment la biotech que l'on connaît depuis longtemps à Meusin Invest. Il y a le secteur du numérique avec Lean Square. Il y a le secteur de l'industrie 4.0 avec Smart Industry Booster. Le secteur de l'immobilier et le secteur de l'agroalimentaire de qualité. $800 millions investis depuis 33 ans, dont 427 millions sur les 5 dernières années. J'en profite pour remercier toutes les équipes de Meusin Invest pour ce travail gigantesque. Mais cela représente aussi 25 000 emplois consolidés ou créés dans ces différentes entreprises. C'est très très important d'aller chercher les emplois du futur. Il y a un peu plus de 3 ans maintenant, le comité d'audit de Meusin Invest nous a demandé de réaliser un audit juridique. Cet audit nous a permis très très tôt d'être 100% compatible avec les nouveaux décrets gouvernance qui sont entrés en application cet été. Tant via sa structure d'actionnariat que via ses moyens disponibles, Meusin Invest devient un outil de plus en plus privé. Ceci ne nous empêche pas évidemment de rentrer tout à fait dans les objectifs du gouvernement wallon. Alors j'en profite pour remercier les administrateurs du précédent conseil d'administration et bien entendu les administrateurs actuels, puisque nous avons adopté un plan stratégique qui porte sur les années 2016 à 2020, un plan avec des objectifs très très ambitieux. Il faut savoir que la plupart de ces objectifs sont déjà atteints, mais nous ne souhaitons évidemment pas réduire la voilure puisque les besoins des entreprises liégeoises sont très très importants et on sent qu'il y a un énorme dynamisme. Nous sommes convaincus que Liège a besoin de success stories, de porte-drapeaux très très emblématiques pour pouvoir continuer d'attirer d'autres entreprises et créer ainsi un cercle vertueux. C'est ce qui se produit depuis quelques années maintenant. Et de pouvoir prendre des risques à leur côté et de pouvoir évidemment les accompagner tout au long de notre croissance, c'est notre mission première et c'est ce que nous allons continuer de faire.
Je voudrais tout d'abord remercier les entrepreneurs, les entreprises qui prennent des risques, qui investissent, qui osent et qui montrent combien elles interviennent dans le dynamisme de l'économie en région liégeoise. Et féliciter évidemment Meusinvest pour les résultats, et ça témoigne vraiment ce dynamisme liégeois sur le plan économique. Nous, les politiques, nous devons contribuer à faire un environnement business friendly pour accompagner les entreprises, les aider, simplifier leur vie par rapport à leurs besoins, notamment leurs besoins d'investissement. Et donc, c'est ensemble avec les politiques, avec les acteurs publics comme Meusinvest, mais avec les entreprises elles-mêmes, c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Et l'objectif, c'est de construire une économie wallonne forte. Et pour cela, il faut aussi transformer l'essai quand on investit, quand on a des beaux projets d'investissement, c'est aussi de les transformer en emplois durables. L'objectif de la région wallonne, c'est vraiment de créer un maximum d'activités et un maximum d'emplois. Conclusion, je voudrais dire qu'il faut continuer à positionner Liège comme la capitale de l'économie en région wallonne. Et pour cela, on doit continuer à travailler ensemble, à faire en sorte que les entreprises puissent continuer à oser, à prendre des risques, à générer de l'activité et à créer des emplois.